Bonjour à tous, ben, je suis dans Skyrim et c'est une nouvelle partie. Donc avec ajouter des mods, je vais vous présenter les animaux sauvages et je vais partir les chercher en compagnie de mes huskies et de Mercurio. Un rhino là, j'étais très surprise d'ailleurs de trouver un rhino dans le jeu. Alors un cerf. Au loin, ce qu'on retrouve dans tous les jeux sans les mods, hein, évidemment. Alors, on peut rencontrer des morts aux puces. C'est pas mort aux puces, c'est un mort aux puces. Hein. C'est une blague. Un genre éteint de mammifères qui vivait il y a des millions d'années, il se déplace lentement. Ainsi que des Deinotheriums, parents préhistoriques de l'éléphant, des rhinocéros, cerfs, chevreuils, gazelles, antilopes, faisans, phacochères, dromadaires, que j'ai trouvé à Marquardt, que je vais vous montrer tout à l'heure, chevaux sauvages, perdrix, renards, guépards, d'ailleurs son sang sert à empoisonner les armes, sinon des loups, givre épine, bien connus, des serpents d'eau. À Marquardt, il y a même un dromadaire. J'étais absolument surprise de voir. Bah oui, parce que ce sont. Comment ça s'appelle Ah, je me souviens plus, j'ai un peu de mémoire, excusez-moi. Enfin bref, ils viennent du sud. Hein. Je sais pas si je peux monter dessus. Je sais pas si je me répète, mais j'ai dit aussi que les mouflons sont une sorte de mouton sauvage. Et le smilodon, par exemple, a vraiment existé il y a 10 000 ans. Là, ce sont des chèvres ou des mouflons. Alors, j'ai pas encore compris. C'est au niveau des cornes, je pense. Enfin, bref. Alors, un petit renard, ben, ça, c'est aussi dans le jeu originel sans mods. Hein. Bon, bah, écoutez, je vous quitte. Je ne vous ai pas montré tous les animaux des mods, parce qu'il y en a beaucoup, il faut vraiment se donner du mal, beaucoup de mal pour les trouver. Bon, je suis quand même contente d'avoir fait cette 5 vidéos. Je vous quitte et à bientôt mes aventures. Donc, mon personnage est breton, je recommence la partie, je vais rejoindre les sombrages et je vous quitte et je vous dis à bientôt.